Salut à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle journée de travaux. Là c'est la peinture, on attaque le gros du boulot. Je vais vous faire voir ce que ça donne. Voilà, donc j'ai fait au pinceau, hein. Je sais pas si vous voyez bien là. J'ai fait au pinceau comme je vous avais dit. Et c'est pas mal, hein. C'est vraiment une peinture de bonne qualité. Je vais vous faire voir le pot, vous voyez c'est ça. Il y a un testé et approuvé par énormément de copains en camion qui ont mis ça et ça bouge pas en fait comme peinture, donc j'ai vraiment pris ça sur leur conseil. Et c'est vraiment une peinture épaisse, je pense qu'on peut mettre une seule couche, je sais pas si j'en mettrai une deuxième, on verra, parce qu'honnêtement elle couvre vraiment beaucoup. On voit bien que c'est vraiment une peinture bien collante de bonne qualité. Et je sais pas, j'arrive à aller partout en plus avec le pinceau, franchement ça se fait bien, c'est long. Ça se fait bien, au moins on fait ça au calme avec les petits oiseaux qui chantent. Ça évite de faire ça avec une machine. Ça fait des économies d'électricité. Aïe. Donc voilà. Je finis tout ça et on verra si je mets une seconde couche ou pas. Là je suis pas sûr du tout. On verra. On verra comment ça va être au toucher, quand ça va sécher. Mais j'ai vraiment envie de prendre le temps de faire ça bien. Pour vraiment avoir une bonne couche. Et s'il faut en mettre une deuxième, on mettra la deuxième, c'est pas grave. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Voilà, on décolle les autocollants. Enfin, Sylvie décolle les autocollants. Elle essaye. Elle essaye. Au décapeur thermique, ça marche super bien. Et en fait, on découvre qu'il y a déjà des choses de collées. Il y avait des stickers qui étaient collés, mais je sais pas si... Ah si, vous allez vous rendre compte, regardez. Il y a une tour de Pise. En dessous, il y a un truc genre... je sais pas quoi. Comment on appelle ça? On dirait un truc qui est sur les bâtiments russes, là, tu sais. Donc, la tour de Pise. Après, il y a la mer Poularde, là vous ne la voyez pas, et il y a la tour Eiffel. Voilà, on vient de découvrir ça. Et là, vous voyez, on voit la tour Eiffel, on voit les pieds qui montent comme ça jusqu'en haut. Voilà, c'est trop marrant. Et on a quasiment tout fini là, à ce côté-là. Il ne reste plus que ça à faire. Bon, maintenant c'est Sylvie qui le fait, ça avance beaucoup moins vite. Mais sinon, il ne reste plus grand-chose. Après, ça va être nickel, ça va être tout blanc. Voilà, fini les pubs. Si vous êtes des parents comme nous, de temps en temps, vous craquez pour vos enfants. C'est plus qu'un craquage, là. Du coup, ouais, j'ai craqué. En fait, tout à l'heure, j'ai vu Julia sur son petit karting à pédale, puis elle forçait. Papa, pousse-moi, et je la pousse et tout. Et là, j'ai un flash. J'ai dit, je la verrais trop bien dans le petit 4x4 avec son petit frère à côté. Parce que les deux grands, ils sont souvent ensemble. Et Julia est souvent avec Lucas, mais Lucas, il galère un petit peu à marcher en ce moment, tu vois, dans l'herbe. Ah, j'ai dit, vas-y. Du coup, on a été à notre petit magasin favori, jouer club à la flèche. Alors, et là, on a craqué. Qu'est-ce que c'est ? T'as craqué ? Ouais. Ouais, mais ça arrive. On de a temps tout en temps. Craqué. Et pourtant, ça ne nous ressemble pas. On essaie de faire souvent des cadeaux, tu sais, entre guillemets, qui servent. Utiles, ouais. Utiles. Et on achète rarement plein de petits trucs en plastique, ceci, cela. On achète beaucoup de jouets en bois et tout. Et. Ouais, mais là, j'ai craqué. J'ai craqué. On fait des économies sur plein de trucs. Mais quand il s'agit des enfants. Ben voilà, du coup on a craqué. Alors on va vous monter ça, c'est un petit véhicule de roue motrice électrique, tout ça. C'est pour qui ça? C'est vachement bien fichu. Du coup on a acheté ça. C'est un petit deux roues motrices. Apparemment il est super bien. On a été super bien conseillé. Comme d'habitude, de toute façon jouer club, c'est vrai, faut le dire. Ça fait, franchement, ça fait jouer des années qu'on va là-bas. Ouais. Pour envoyer les lettres au Père Noël, ceux qui nous ont récupéré les lettres et qui nous les ont envoyées en Finlande et tout. Donc voilà, on a une petite relation de confiance avec eux et tout. Et même avant ça, on allait déjà chez eux. Ouais. Parce que je trouve que dans les jouets clubs, je suis désolé, mais on a encore l'impression qu'ils aiment vendre des jouets. C'est vrai, hein, ouais. C'est, voilà, y a d'autres magasins, c'est pas ça. Alors que les jouets clubs, c'est canon. Hein, t'es pas d'accord? Donc on va monter tout ça, et c'est trop cool. Et ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, mais il est déjà tout construit, tu m'as dit. Bah, peut-être que ça va être vite fait. Il y a deux, sinon on va le descendre comme ça, gars. Ouais. Il y a un truc à tirer, comme des petits trucs. Ça, c'est l'arrière, il y a même un petit attelage, regarde. Non, c'est le devant, ça. C'est l'arrière. Non, c'est l'arrière. Ah ouais? Pour mettre des trucs dedans, il y a un petit coffre. Ah ouais, il y a dedans. Il y a un petit coffre et il y a même une petite boule d'attelage pour mettre une petite remorque. Ah oui,
Tout ça, ça ah oui. Si tu vas dans le carton, Julia. C'est bon, on est tranquille. Attention. Ils sont fous ces gamins. Ça, ça va vraiment le coller. On va prendre le temps de le coller. Jérém, qu'est-ce que t'as encore fait? J'ai craqué pour les enfants. Voilà, il a acheté un petit... SSV. Un petit 4x4 pour Julia. 4x4, le 4. Voilà, on est allé, à jouer club à la flèche. Et puis, Jérém a craqué. Voilà. Donc, c'est pas malin, quoi. Oui, mais bon, quand c'est pour les enfants, on compte pas. Ouais, ça n'a plus de prix. Ça ne compte plus. L'argent ne compte plus. Donc voilà, il s'attaque à tout ça pour tout monter. Là. Parce qu'il y en a une qui s'impatiente, hein Julia? S'impatiente. S'impatiente. T'es pressée de rouler avec? Oui. Avec Lucas? Oui. Allez, on monte tout ça. Et quoi là? Je suis en train de couper du stérodur pour isoler les trappes. Là, je lis mon téléphone. Hein. J'arrête pas de recevoir des messages. Et du coup, je coupe le stérodur pour boucher les trappes qui mènent à l'intérieur du bus, les petites trappes d'aération. Dans le couloir? Dans le couloir, oui, qui viennent au couloir. Je vais montrer aux gens. Ouais. Elle est en train de faire des petits morceaux de stérodur pour boucher ça. Vous voyez? Donc. Elle bouche au fond en fait, ça va boucher au fond, et comme ça quand ils viendront mettre la mousse, ça va pousser jusqu'ici, et puis je couperai au ras avec une lame, et ça sera impeccable. Voilà, ça sera bien isolé. Et ces petits passages-là, je peux m'en servir. Je mets un petit coup de perceuse, et je pourrais faire passer des fils et tout. Je sais qu'à certains endroits, j'ai pas besoin de percer dans le métal. Si j'ai des câbles ou des tuyaux à passer, j'aurai juste à traverser l'isolant. Ça sera nickel. Julia, tu fais quoi là avec maman là? Je travaille. Tu travailles, hein? Oui. Alors moi je fais des stérodures, je coupe, et Julia elle dessine sur mes chutes. Mais on les mettra pas à la poubelle les chutes, hein? Non. Ah non, hein? Alors Julia elle travaille bien, vous trouvez? Et toi tu travailles bien? Oui. Ouais, maman, ok. Maman aussi. Maman aussi? Bon c'est le principal. J'ai
Vous avez vu, moi j'ai fait la porte là. Moi ça fait quelque chose.